Mais le premier jour qu'on était dans... Moi, je me souviens de Virginie. J'étais dans la voiture avec les habits, tout ça. Et elle est arrivée, elle s'est mise derrière et je m'étais retourné pour la regarder. Et ça m'avait fait quelque chose. Je me suis dit, oh là là, on dirait une policière. Parce que c'est vrai que c'est un moment, le premier jour avec les habits, tout est prêt, quoi. Ce qui était compliqué, c'était de travailler dans cette voiture en studio avec une voiture découpée en deux pour pouvoir faire des plans particuliers et pour les comédiens d'arriver à vraiment conduire, se dire tiens là je passe une banlieue, d'avoir l'imaginaire tout le temps en action alors que vous êtes dans un endroit abstrait. On a beaucoup parlé avec Anne des scènes, du personnage, tout ça. Et puis, elle m'a présenté un policier avec qui j'ai beaucoup aussi discuté pour comprendre ce que c'était son métier, des gestes à apprendre, des choses comme ça. Ben, c'est parce que c'était un couple qui me semblait attractif pour le sujet, au sens où il y avait une sorte de chimie sexy et en même temps de douceur, de quelque chose entre eux qui m'a semblé intéressant. Moi, c'est la quatrième fois, je crois, que je viens. Là, ça a une signification tout à fait spécifique, puisque c'est le premier festival. On était à Berlin. Depuis Berlin, il y a eu cette impossibilité de voir un film, de sortir un film. Donc, c'est symboliquement très joyeux. Et donc, je trouve que ce festival, du coup, a une force en général, mais particulière cette année.